Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une accalmie règne dans le nord-ouest après une série d'attaques perpétrées contre des gendarmes. L'on note qu'il y a eu un renforcement de la sécurité dans les principales villes de cette région anglophone, mais les populations apeurées cherchent à déserter la localité, craignant à nouveau d'être des victimes collatérales de ces attaques dirigées vers des soldats de l'armée camerounaise. Autre titre phare du 20h, la commission de la CEMA condamne la tentative de coup d'État survenue en Guinée équatoriale. Le président de la commission de la CEMA qui plaide auprès de la Guinée équatoriale afin qu'elle continue de respecter ses engagements communautaires pour la libre circulation effective dans la sous-région. La crise économique que traverse la CEMAC peut être résolue par l'intégration régionale. C'est du moins ce qui ressort de la quatrième réunion du comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières. Vous les écouterez, les ministres de la sous-région qui s'expriment sur les enjeux de mise en œuvre des réformes pour sortir de la crise économique dans la sous-région Afrique centrale. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Une accalmie règne dans le nord-ouest après une série d'attaques perpétrées contre des gendarmes et militaires dans cette région du pays. La sécurité a été renforcée depuis quelques heures dans les principales villes de cette région anglophone, mais les populations apeurées cherchent à tout prix à déserter leur localité, craignant à nouveau d'être des victimes collatérales de nouvelles attaques dont les cibles privilégiées sont des forces de l'ordre qui ont été déployées sur le théâtre de la crise anglophone. On fait le point avec Eric Martial Diomo. La situation reste très tendue dans plusieurs localités de la région du nord-ouest Cameroun. Trois hommes en tenue ont été assassinés dans la journée du jeudi 1er février 2018 en Kouen et à Pinin. Un jour avant, un autre homme en tenue a été blessé à Batibou. Dans leur quête des traces des assaillants, les forces de sécurité ont lourdement investi plusieurs villes, notamment Ambo, Batibou et Koumbou. Une descente qui a fortement perturbé la quiétude des populations prise entre deux feux, celui des extrémistes et celui de l'armée. Des populations qui se plaignent de la constance des coups de feu, de jour comme de nuit. Conséquence, on note un nombre impressionnant de déplacés ces derniers jours. Le cardinal Christian Toumi, tout comme les parlementaires de la région du Nord-Ouest, appellent à la fin des hostilités. I did not come from Douala to witness the events that took place. Dans un communiqué, les responsables de l'hôpital de Bingo à Bamenda, hôpital au sein duquel se sont réfugiées de nombreuses familles, appellent à l'aide. En raison de l'escalade des violences notées ces derniers jours, le gouverneur de la région du Nord-Ouest a pris des mesures portant sur l'interdiction de l'usage, de la vente et de la détention des armes à feu dans toute la région. Au-delà des condamnations prononcées à l'encontre des détourneurs de fonds publics, le tribunal criminel spécial peine à recouvrer les fonds qui ont été détournés. L'accélération de cette procédure et la célérité dans le traitement des affaires judiciaires sont les missions assignées au nouveau président du tribunal criminel spécial. Emmanuel Ndjéré a pris fonction ce vendredi. Quelles sont les missions qui lui sont assignées? Quel bilan peut-on faire de la mise en place du tribunal criminel spécial au Cameroun? Élément de réponse avec Joël Essengué et Marcelin Gansop. Les derniers prises de l'épervier, tout au moins pour ce qui est des personnalités reconnues, sont si lointaines qu'on en est aujourd'hui à se demander si la machine du tribunal criminel spécial est grippée. Ou alors ce sont les atteintes à la fortune publique qui ont cessé, à la faveur des arrestations et condamnations, dont certaines sont restées en travers de la gorge de la plupart des victimes. Des questionnements qui vont s'intensifier avec la prise de fonction du nouveau président du tribunal criminel spécial. Au sein de l'opinion, l'on se demande qui sera la première victime de l'ère Emmanuel Ndjéré. Après ce que l'on peut considérer comme une pause
dans la traque des prévaricateurs et autres détourneurs de biens publics. Le magistrat en hiérarchie deuxième groupe a la lourde mission de poursuivre l'œuvre délicate entamée par son prédécesseur en 2012 avec rigueur et discernement dans le strict respect du secret des procédures. C'est en tout cas sur ce chemin que le garde des Sceaux l'a engagé en l'invitant à ne pas céder à la pression malsaine d'une certaine opinion friande du sensationnel qui s'amuse à rendre justice en lieu et place des juridictions compétentes. Le populisme judiciaire, favorisé aujourd'hui par les réseaux sociaux, ne saurait continuer à prospérer au nom de la simple liberté d'expression. Trois boussoles, a dit Laurent Esso, doivent guider les actions du nouveau président du TCS. La loi de 2012, créant cette juridiction spéciale, le code pénal et puis le code de procédure pénale. L'accélération des procédures reste un défi à relever par le TCS qui, en 5 ans, a rarement tenu le délai de 6 mois prévu par la loi, avec possibilité de prorogation de 3 mois. Mais il n'est point question, a prévenu Laurent Esso, de verser dans la précipitation ou de faire de la justice expéditive. C'est dire que Emmanuel Djéré hérite d'une patate chaude, mais qu'il saura refroidir. Lui qui, en 30 ans de carrière dans la magistrature, dispose des armes nécessaires à l'accomplissement de ses nouvelles missions. Il remplace à ce poste Yap Abdou, magistrat hors hiérarchie, premier groupe, promu premier avocat général à la Cour suprême le 7 juin 2017. De la première affaire enrôlée le 15 octobre 2012 jusqu'à ce jour, le tribunal criminel spécial a permis à l'État du Cameroun de récupérer environ 4 milliards de francs CFA à la faveur du décret du 4 septembre 2013 portant modalité de restitution du corps du délit, ce qui a entraîné 61 arrêts de poursuite. Dans le même temps, 256 dossiers ont été diligentés en 5 ans pour aboutir à la fin du processus à 106 condamnations et 10 acquittements. Malheureusement, l'État du Cameroun a perdu 96 milliards dans les circuits du détournement, ce qui n'est pas rien dans le contexte actuel, marqué par la rareté des ressources financières. Parlons à présent de la commission de la CEMAC qui condamne cette tentative de coup d'État survenue en Guinée équatoriale. Le président de la commission, Daniel Ondondo, plaide pour que Malabo ne renonce pas à ses engagements sur la libre circulation dans la sous-région Afrique centrale. L'intégration régionale économique est l'un des piliers des réformes visant à sortir la CEMAC du marasme économique. En effet, les déséquilibres macroéconomiques restent à des niveaux élevés. La persistance de ces difficultés économiques et financières était au cœur des préoccupations du comité de pilotage des réformes économiques et financières de la CEMAC, réunie pour la 4e session à Douala. Des ministres de l'économie et des finances de la sous-région ont analysé l'opérationnalisation de la fusion des places boussières. Ils ont insisté sur l'engagement des États membres de la CEMAC à accélérer les réformes communautaires pour ajuster les efforts d'assainissement des finances publiques et de diversification de l'économie. À ce sujet, je vous propose d'écouter le président du comité de pilotage de ce programme des réformes économiques et financières, le ministre d'État Gilbert Ondongo, ministre chargé de l'économie du développement industriel au Congo-Brazzaville. Dans la tradition africaine, on dit, quand on a une séance brûlante, qu'un enfant apprend à connaître le feu. Nous avons connu le feu, il faut maintenant qu'on fasse attention pour qu'on ne pas faire les mêmes problèmes la fois prochaine. Des priorités, mais des priorités, c'est continuer le projet CEMAC, de continuer l'ajustement. Nous sommes en négociation avec le Fonds monétaire. Il y a 4 pays qui ont déjà signé un accord avec le Fonds monétaire. Il y a 2 pays qui sont en négociation. Nous avons appris aujourd'hui que la Guinée est dans un bon processus parce que le Fonds monétaire veut un accord de référence. Il reste le Congo qui est en négociation aujourd'hui avec. Donc, il faut continuer l'ajustement monétaire étant entendu qu'il n'y a pas que ça. Pour faire la résilience de nos économies, il faut diversifier notre économie. Il faut diversifier parce que c'est fondamental. Comme ça, nous n'aurons pas à avoir le surcoût d'avoir un seul produit qui pèse sur les économies en question. Vous savez qu'en plus du preuve CEMAC, nous avons un programme de réforme économique au niveau de la sous-région. Il y a des efforts qui sont faits à l'interne. Il y a aussi des efforts qui sont faits au niveau de la CEMAC. Ce programme renferme 13 projets qui permettent aujourd'hui de sécuriser nos frontières,
vis-à-vis de ce qui s'est passé en Guinée équatoriale. C'est tout à fait normal quand un pays a reçu un contre-coup. Il faut qu'il se referme. Donc nous souhaitons donner des possibilités pour que ce pays se sente en sécurité. Donc il y a des couloirs qu'il faut tracer, il y a des postes frontaliers qu'il faut mettre en exergue. Il y a tout un tas de programmes, il y a ces 13 projets qui permettent effectivement aujourd'hui de sortir de monoproduits, de diversifier un peu plus l'économie pour que le bonheur de nos pays, parce qu'in fine, qu'est-ce qu'on veut? C'est la lutte contre la pauvreté. C'est l'une des semaines les plus difficiles vécues à Douala. La mobilité urbaine a été perturbée lors du démarrage d'un tour cycliste dans les principales artères de la capitale économique du Cameroun. D'énormes bouchons se sont formés entre le centre-ville et les zones périphériques. Même des mototaxis avaient du mal à contourner cette paralysie de la ville. Las d'attendre durant des heures sur place dans une chaleur étouffante, des usagers exaspérés ont été contraints de parcourir des kilomètres à pied. Ils crient leur colère dans ce reportage de Raoul Taboufoué, Séverin Chouban et Kate Diara. Quand le sport prend le pas sur l'économie, les habitants de la ville de Douala crient au scandale. Les journées de mercredi et jeudi auront été particulièrement pénibles pour les habitants de la capitale, pris au piège des embouteillages et forcés de renouer avec un sport que beaucoup avaient oublié jusque-là, la marche à pied. C'est mercredi aux environs de 13h que tout a commencé, à cause du tour cycliste baptisé le Tour de l'Espoir. Beaucoup vont perdre l'espoir de rentrer chez eux à une heure normale. La raison, des barricades apposées pour fixer l'itinéraire des coureurs. Au rang des victimes de ce tour cycliste, il y a Cyril, qui tombe au Nondjo pour le quartier d'Aïdo. Il est contraint de descendre du taxi au niveau du carrefour mobile Bonakwamon pour faire le reste du trajet à pied. Des Cyril, il y en a eu à l'appel pendant ces deux journées, mais pour le nôtre, les autorités de la ville auraient dû investir dans une communication plus poussée afin d'informer le plus grand nombre de riverains de ce tour cycliste, mais surtout créer des déviations pour les usagers. Ils ne sont même pas informés. Moi, j'ai été surpris. J'étais vraiment surpris. Et ce matin, ils m'ont mis au courant. Non, franchement, je peux dire qu'il y a un manque d'informations. Normalement, ils devaient aller vers les médias, déjà faire de l'annonce, pour dire à certaines personnes, pour informer la population que il y aura un tour cycliste qui va se passer de tel jour à tel jour. Et au moins, on devait quand même indiquer les itinéraires que les gens pouvaient emprunter. Contrairement à Cyril, ce chauffeur de taxi a appris la nouvelle à la radio. Mais au-delà de l'information reçue, il relève le même fait, une absence de préparation et de prévision. Oui, mais ils ont quand même annoncé. Mais on ne sait pas, mais ils n'ont pas mis les policiers pour mieux diriger la situation. Ils ont encore dit aujourd'hui qu'ils vont bloquer à 15h, mais ils n'ont pas indiqué le lieu précis. Mais il faut qu'ils nous disent vraiment où c'est bloqué, pour qu'on sache comment on doit prendre discussion pour travailler. Au-delà de l'aspect sportif et de tout l'honneur fait à la ville par le tour cycliste, il laisse un arrière-goût d'amertume aux riverains qui, pour la plupart, n'ont pas pu mener leurs activités habituelles. Qu'en sera-t-il de l'impact économique et du gros manque à gagner créé par ces embouteillages? Just wait and see. À l'ouest du pays, certaines villes présentent le visage de l'insalubrité et du désordre urbain. Des campagnes de propreté sont boudées, campagnes d'hygiène et de salubrité qui peinent à changer le comportement incivique des populations. Les contrevenants ont été sanctionnés durant des descentes menées par les autorités administratives à Koutaba et Bandioun. Reportage Mama Soufor, Dallas Kana et Jean-Paul Chouniat. À peine installé à la tête de l'arrondissement de Poumounia dans le département du Kounki, le sous-préfet Camara Divine Camara fait son constat sur l'insalubrité dans la ville de Bandioun. Le marché de Bandioun est très sale, ainsi que la ville. C'est mon constat. Mais alors, l'image que j'ai pour les Bandiounais, c'est une image comme ça. Camara Divine Camara s'indigne du laxisme de la municipalité de Petit Bandioun dans l'enlèvement des ordures, l'incivisme des populations et le non-respect de la journée de propreté dans les espaces marchands. Et on a institué les jeudis propres qui ne sont pas respectés. Ça me fait mal au cœur quand chaque fois je passe, je vois cette saleté-là. Ce n'est pas bien. Au terme de cette tournée,
Le nouveau sous-préfet de Poumounia fait donc de la lutte contre l'insalubrité et le désordre urbain son cheval de bataille pour une ville de Bandjoun plus propre. Camara Divine Camara s'engage à veiller personnellement au respect du jeudi propre dans son unité de commandement. Et à Koutaba dans le Noun, c'est le même objectif que poursuivent les autorités municipales dans l'assainissement d'une ville sous le coup de la saleté, du désordre urbain, l'incivisme des populations et des commerçants qui banalisent la journée de propreté. Il faut fermer la boutique et travailler pour enlever la saleté. Vous avez aussi constaté que beaucoup ont fermé et ils sont chez eux. Et ils reviennent ouvrir dans la saleté. Donc nous avons pensé, comme la santé n'a pas de prix, il fallait vraiment ces opérations pour assainir la ville de Koutaba. Au cours de cette énième descente de sensibilisation, les commerçants réfractaires à la campagne d'hygiène et de salubrité ont été frappés d'amende. Leur échoppe et boutique scellée. Le désordre urbain règne en maître dans le centre des affaires. À Douala, les autorités locales menacent de sévir, mais les commerçants incriminés les accusent de racket et précisent qu'ils payent l'OTVP, qui est une taxe pour l'occupation temporaire de la voie publique, mais cela ne saurait justifier des débordements, préviennent les autorités. Reportage à suivre dans un instant. La communauté ne peut pas travailler même le dimanche. Le message est clair, la mairie de Douala Premier, après la phase de sensibilisation consacrée à la lutte contre le désordre urbain, passe désormais à la phase de répression. Usagers, automobilistes et commerçants sont avertis. Il n'est plus question de voir un véhicule, une marchandise ou autre encombrer le trottoir. Tous ceux qui ne respecteront pas cette mesure seront purement et simplement sanctionnés, tel que le précise l'autorité municipale. La phase répressive a commencé et elle ne va que s'accentuer. Et comme vous pourrez le constater, tous les dimanches, nous serons là principalement pour les garages et les abandons sur la chaussée. Donc à compter de demain, même le dimanche compris, nous allons éradiquer les garages sur la chaussée à Douala Premier. Si l'opération est saluée par certains habitants, d'autres, notamment des commerçants, se plaignent de ce qu'ils qualifient d'arnaque. Nous demandons aux gens de ne pas avoir de plus vendre l'OTVP aux gens. Ça nous éteint pour vendre le diamètre 36 mètres fois 2. Il faut demander de ne plus vendre l'OTVP. Comme ça, on va libérer. Le peuple a 36 000 francs fois 2. Ils viennent là, ils sont là tous les jours avec les gendarmes. Mais maintenant, là, ils demandent aux gens de payer. Pour le responsable communal, l'OTVP, la taxe sur l'occupation temporaire de la voie publique, dont parle le commerçant, est très souvent utilisée avec abus. Il reproche à ces derniers le non-respect des limites telles que recommandées par la hiérarchie. En réalité, il n'y a aucun OTVP qui permette à quelqu'un d'enjamber le trottoir. Aucunement, l'OTVP ne vous permet de recouper le trottoir comme c'est fait là-bas. Vous n'avez qu'à reconstruire leurs documents et vous constaterez que c'est un abus qu'ils sont en train de faire. La phase de répression qui a commencé au lieu dit Hôtel Lundé, puis Carrefour et Kinox, se poursuivra au camp Yabassi et dans bien d'autres quartiers de Douala Premier où le désordre urbain a fait son nid. C'est un nouvel épisode dans un bras de fer engagé entre une école primaire et des riverains résidents à Bonamoussadi dans le 5e arrondissement de Douala. Des parents d'élèves ont manifesté pancarte à main pour dénoncer l'acharnement d'une personnalité de la littérature africaine installée non loin de cette école. Il s'agit de Calliste Béala qui, elle, ne supporte plus des nuisances sonores provenant d'une école primaire. Des parents qui, au scandale, l'affaire a été portée devant les autorités administratives et elle peine à trancher depuis plusieurs mois. Du coup, le ton monte entre la communauté éducative et les riverains à Bonamoussadi. Reportage, Flavien Valodongo. Des parents d'élèves, pancarte en main, s'insurgent contre les nuisances sonores venant du domicile de Dame Béala. Nous souhaitons juste que Madame Calis Béala laisse nos enfants continuer à aller à l'école et qu'elle arrête de mettre la musique pour indisposer les enfants. L'affaire qui dure depuis plus d'un an au quartier Bonamoussadi à Douala a un fondement. C'était une petite crèche avec une petite unité d'enfants. Il y avait peut-être 10 gosses. Ça ne nous dérangeait pas au fur et à mesure. Sauf qu'au fur et à mesure, elle l'a fait agrandir, comme vous l'avez pu le voir, transformer ça en une école où il y a entre 500 et 1000 enfants. Donc, à partir de là, nous avons commencé à subir énormément de nuisances, à savoir les parents qui entrent ici avec les véhicules, qui insultent les voisins, qui cognent nos voitures. D'ailleurs, vous l'avez vu,
un procès verbal de laisser d'un parent reconnaissant avoir cogné ma voiture pas plus tard qu'il y a 10 jours. Suite à cette guéguerre, née de la proximité de cette école avec les habitations, des plaintes initiées par la direction de l'établissement scolaire ont été déposées auprès des services compétents pour arbitrage. L'école a une décision de justice qui interdit justement à l'écrivain Caris Béa de mettre la musique. Malheureusement, elle continue à mettre la musique pour disposer les enfants. Calix Beyala, incriminé par le porte-parole des parents d'élèves de cet établissement pour avoir décrié les bruits émis par des apprenants, rappelle que la SIC, se sentant trompée par la fondatrice de l'école, n'est pas restée insensible aux cris des habitants voisins à cette école. C'est la SIC qui lui a porté plainte pour nuisance, pour détournement d'une certaine façon de bien et qui demande que l'école quitte la zone. Ce n'est pas Calix de Béala. L'affaire qui continue de faire grand bruit au quartier Bounamoussa à Douala, malgré l'arbitrage des pouvoirs publics, est à suivre. Restons en milieu scolaire où les autorités conseillent aux jeunes d'être davantage bilingues pour profiter des opportunités qu'offre la pratique efficace et effective de l'anglais et du français, non seulement en milieu éducatif, mais aussi pour promouvoir le vivre ensemble et renforcer la cohésion nationale au Cameroun. Reportage Donald Anoujoa. Socle de l'unité nationale. Le thème ainsi formulé a porté les activités de cette autre édition de la Semaine nationale du bilinguisme célébrée sur l'ensemble du territoire camerounais chaque premier vendredi du mois de février. L'édition 2018 coïncide avec la volonté des pouvoirs publics d'inciter les Camerounais en général et surtout la classe jeune à promouvoir le vivre ensemble par l'usage naturel et régulier du français et de l'anglais. Un message bien capté par cette jeunesse scolaire. Le thème, le socle de l'unité nationale et du vivre ensemble en anglais, a bedrock for national unity and peaceful coexistence. Le bilinguisme permet aux Camerounais de parler français et anglais et de se comprendre, de favoriser le développement du Cameroun en français et en anglais. Le ministre de l'éducation de base, venu clôturer la semaine du bilinguisme dans le littoral, va à son tour relever l'incidence de l'usage du français et de l'anglais sur la paix au Cameroun. Le bilinguisme pour le vivre ensemble, je pense qu'on n'a pas besoin de tergiverser là-dessus. C'est tout simplement que nous devons prendre conscience de ce que nos deux langues officielles qui ont été retenues au niveau de notre pays, et qui s'avère d'ailleurs être la particularité de notre pays, n'est-ce pas, est quelque chose d'important pour notre nation et pour notre communauté. Vivre ensemble, parce qu'en s'exprimant dans les deux langues parfaitement, nous brisons toutes les barrières qui peuvent exister et nous formons une et une seule famille indivisible, donc un État camerounais un et indivisible. Tout en préservant les acquis de l'heure, rendez-vous a été pris pour 2019 à l'occasion d'une autre semaine nationale du bilinguisme. Les autorités sanitaires tirent la sonnette d'alarme. Un anti-paludéen contrefait serait en vente à ciel ouvert au Cameroun. Il s'agit du co-arinate dont la contrefaçon de ce médicament serait en circulation dans des pharmacies, mais aussi au marché noir de vente illicite des médicaments. Comment reconnaître le faux de ce bon médicament? Quelles sont les mesures à prendre? Nos équipes ont mené une enquête. Warren et Jilwin Guignondé se sont introduits dans des pharmacies, mais aussi dans le marché noir de vente des médicaments, pour s'enquérir de la situation concernant le co-arinate dont la contrefaçon serait en circulation dans les marchés au Cameroun. Reportage. Si dans la plupart des officines et même dans la rue, le co-arinate, médicament contre le palud, reste introuvable, il n'en demeure pas moins judicieux de présenter les principales caractéristiques de cet antipaludéen qui aurait déjà causé la mort à un enfant de 7 ans à Yaoundé. Une enquête dans les différentes pharmacies de Douala et même à cet endroit
communément appelé gazon, réputé pour la vente des médicaments de la rue, nous aura permis de constater que seul le coarénate vendu en pharmacie et approuvé par le ministère de la Santé publique reste disponible. Cependant, il est tout aussi prudent de revenir sur la présentation physique de ce tueur silencieux. Relativement à l'identification des produits, celui incriminé est effectivement le coarénate FDC. Conditionné dans une petite boîte en carton aux couleurs jaune et rouge, avec notamment un dessin de moustique sur la bande jaune. La comparaison entre les deux produits montre que celui incriminé ne comporte ni l'inscription FDC, ni le dessin de moustique. En clair, il n'existe pas vraiment de différence suffisante pour qu'un consommateur averti évite de tomber dans le piège, car à première vue, les deux produits semblent identiques. Pourtant, c'est ce coarénate FDC avec le dessin du moustique qui est présenté comme l'une des causes de l'insuffisance rénale, bref, un produit dangereux par les autorités sanitaires. L'alerte sonnée, elles en appellent à l'extrême vigilance de tous. Précisons que le coarénate FDC a déjà été interdit de vente au Sénégal et dans bien d'autres pays en Afrique. Compte tenu de la ressemblance flagrante avec le bon médicament, certains observateurs se demandent encore ce que le Cameroun attend pour lui aussi rejoindre la liste des pays ayant décidé d'interdire formellement la vente de ce produit. Yaoundé et Washington ont décidé de réactiver la coopération scientifique et technique. Le sujet était au centre des discussions entre le ministre camerounais de la recherche scientifique, Madeleine Tchouenté, et l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Peter Henry Balrin, qui envisage de soutenir la formation des chercheurs camerounais afin d'améliorer leurs performances. Le diplomate américain a d'ailleurs salué l'expertise de ces chercheurs dont la majorité est installée aux États-Unis d'Amérique. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter le diplomate américain. Nous avons parlé de la longue histoire de coopération entre les États-Unis et le Cameroun à travers l'Université de Michigan, de Johns Hopkins University à Baltimore, au Maryland, et aussi avec l'Institut Bill Gates. Et moi, j'ai parlé un peu de notre lutte contre le VIH-Sida à travers PEPFAR et aussi de la lutte contre le paludisme, que nous avons un bon partenariat. Et nous avons aussi parlé de dépistage des maladies zoonoses, n'est-ce pas? Comme vous savez, il y a beaucoup de Camerounais avec un niveau d'éducation très élevé aux États-Unis et à Washington, dans la banlieue de Washington en particulier. Et j'ai dit à Madame le ministre que vous devez utiliser vos ambassadeurs camerounais privés qui font de la recherche, qui travaillent dans le privé pour encourager les échanges. En culture, nous sommes à 48 heures du démarrage du festival FOMARIC et un point de presse a été donné ce jour pour évoquer les innovations de cette édition anniversaire. Reportage, Julienne Berthe-Bissaille. En prélude au démarrage effectif de la célébration des 25 ans du festival FOMARIC, prévu le lundi 5 février 2018, les organisateurs de ce grand rendez-vous culturel rassurent. Pour avoir la présentation du site cette année, vous voyez que tout a changé. Et il y a un podium que personne n'avait encore vu. Une sono, une grande sono avec trois écrans LED. Il y a beaucoup d'innovations que les gens vont découvrir le moment venu sur le site. Il y a les dimanches du gospel. Vous savez que je suis un chrétien et chaque dimanche, il faut que je vive avec mes amis chrétiens, avec le gospel. Sur le site, tout est fin prêt pour le bonheur des visiteurs. Les différents chapiteaux installés ici confèrent à cet événement un visage tout à fait différent des années antérieures.
Le festival Fomaric 2018, c'est également de nombreuses innovations qui vont tenir en haleine le grand public. Ce sera une cascade d'attractions. Pendant 35 jours, il y en aura 25 jours, que nous avons dit, des journées de folie, offertes par les entreprises partenaires. Tout simplement, une entreprise décide d'accompagner, de célébrer les 25 ans de Fomaric en offrant aux visiteurs quelque chose de particulier. D'abord par rapport à son produit, le produit aura un prix totalement différent. Ensuite, pour couronner tout, en soirée, on offre un concert, comme les enfants disent, un concert de ouf. Créé en 1993 par l'artiste de renommée internationale Coty François, cette fête foraine baptisée cette année Joyeux anniversaire a comme marraine la diva Charlotte Dipanda. Un honneur salué par l'artiste. J'avoue que quand Papa Coty m'a sollicité pour les 25 ans de Fomaric cette année, je me suis sentie particulièrement touchée. Je me souviens encore de quand j'étais une jeune choriste et que j'accompagnais les artistes à ce festival, il y a plus d'une quinzaine d'années maintenant. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de revenir en tant qu'artiste et surtout que Papa Coty pense que je puisse véritablement être une valeur ajoutée. Pour rester le 3 mars. Le festival Fomaric 2018 spécial 25 ans, c'est en somme 350 000 visiteurs attendus, 450 exposants, 30 jours d'exposition, 5 compétitions majeures, une journée dédiée à l'amour, une semaine de la fête et diverses prestations d'artistes venus de tous bords. Un événement à ne surtout pas manquer. 2018, nous y sommes. Le Festival Fomaric a 25 ans. Que la fête commence. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ne manquez pas vos rendez-vous ce soir. D'abord, tendance économique à suivre juste après cette édition du 20h. Ensuite, autour de 21h, l'émission Horizon Sport présentée par Étienne Pascal Azégué. Bonne soirée sous cette même antenne.